Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui devant les portes désespérément fermées de la tanière. Ça fait presque un an qu'on aurait dû ouvrir et à cause de cette crise sanitaire, la tanière reste fermée. On voudrait aujourd'hui faire appel à vous pour le devenir de la tanière. Sans entrée de public depuis un an, aucune entrée d'argent et des animaux qui continuent à arriver par dizaines. On a besoin de vous tous pour nous aider. Alors voilà, la tanière, c'est l'histoire de toute une vie. J'allais dire presque le rêve de toute une vie. Le rêve de sauver tous les animaux qui en ont besoin. Tous ceux pour lesquels il n'y a plus de solution. L'histoire de la tanière, c'est d'être présent quand les animaux ont besoin de nous. Quand il n'y a plus d'autre solution pour eux. C'était notre rêve, c'est notre rêve, c'est toujours notre rêve. On voudrait simplement aujourd'hui partager ce rêve avec vous tous, car notre modèle il est le suivant. Il est que nous récupérions les animaux qui sont saisis, malades, en difficulté, détenus dans les mauvaises conditions, sortis de laboratoire. Qu'on les soigne, qu'on leur redonne une noblesse, qu'on leur redonne l'air d'animaux normaux, presque normaux. Et puis qu'ensuite on puisse les replacer dans les endroits qu'on aura sélectionnés. Les animaux qui arrivent chez nous sont des animaux saisis par les autorités en grande partie. Quelques animaux de chez des particuliers, saisis pour détention illégale, saisis aussi pour détention dans des conditions dangereuses et inadaptées aux animaux. C'est aussi des animaux qui viennent de cirque, quand les gens du cirque ont décidé d'arrêter de travailler avec eux. Ce ne sont pas forcément des animaux qui ont souffert physiquement. C'est des animaux simplement qui ont besoin d'espace. Ce sont des animaux qui, sans la présence humaine, ne sauraient pas se débrouiller. Des animaux impossibles à relâcher dans la nature, car trop imprégnés. Et surtout pour ceux qui sortent des laboratoires. Tous ces animaux ont un point commun. Ils ne rentrent pas dans les cases normales. Ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas détenus dans les conditions qui sont les bonnes pour eux. Ils ne sont pas les seuls à ne pas rentrer dans les cases. A priori, la tanière non plus ne rentre pas dans les cases. Ce modèle économique qui prévoyait que vous veniez nous visiter, enfin que vous viendrez bientôt, j'espère, nous visiter, était le suivant. En réglant votre entrée chez nous, en achetant une canette à boire, un sandwich, n'importe quoi, vous participiez à ce bien-être animal ou vous participiez à la tanière. En nous faisant des dons aussi, parce que vous êtes nombreux aussi à le faire. Alors la tanière n'a pas pu ouvrir depuis près d'un an pour cause de coronavirus. Même si on a des fois du mal à comprendre, on est en extérieur, qu'on puisse pas être ouvert. Mais bon, on est obligé de se plier à la règle. Et puis, beaucoup d'entreprises ont obtenu des aides de la part de l'État. Et nous, jusqu'à maintenant, on ne rentrait pas dans les cases. Parce que toutes ces aides, elles sont basées sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Seulement nous, l'année 2019, on n'était pas ouvert. On devait ouvrir au printemps, enfin au mois de mars 2020. Donc les aides ont passé à côté de tout. Heureusement, on a ici un député, M. Guillaume Kasbarian, qui nous a écoutés et qui a porté notre parole très haut. Et nous pensons, dans les jours qui viennent, avoir l'appui de l'État dans notre démarche. C'est une démarche longue, périlleuse, mais je pense que cette fois-ci, nous avons été entendus. Alors, ces aides ne suffiront pas. Nous sommes tous un peu responsables de ce qui se passe dans notre société avec les animaux. Vous êtes capables de déplacer également les plus grosses montagnes. Vous êtes capables, en vous mobilisant, de défendre une cause. Vous détenez la solution. Vous êtes la force vive de ce pays. Vous êtes la force vive pour cette cause. Nos animaux ont besoin de vous et ne peuvent compter que sur vous aujourd'hui. Lorsqu'on pourra ouvrir, croyez-moi, mon épouse et moi, on sera là, dans le parc, pour vous recevoir tous, vous parler à tous. Nous avons essayé aussi de trouver des prêts, de relais, en attendant qu'on puisse ouvrir. Bien évidemment, un refuge fermé, ça n'intéresse pas grand monde. Donc s'il y a parmi vous des financiers qui sont prêts aussi à nous aider à faire ce relais, nous aurons les capacités de rembourser. Mais évidemment, quand nous allons ouvrir, vous êtes des centaines, des milliers à venir nous voir. On sait que vous allez être très nombreux. Voilà, donc on cherche toutes les aides possibles, de dons, de prêts. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Nous avons frappé à toutes les portes. L'État nous a entendus. La région Centre-Val-de-Loire est muette.
mais la force, elle vient de vous. À vous aujourd'hui de prendre ce relais, à vous de mobiliser tout autour de vous, à vous de mettre des drapeaux, ce que vous voulez, partout, à vous de parler à tout le monde de la tanière et faire en sorte que tous les gens que vous connaissez qui ont quelques euros, quelques centimes et plus si vous pouvez en tant qu'entreprise ou autre, à vous de faire en sorte qu'on passe ce cap difficile. Donc voilà, je ne vais pas vous dire au nom de Micha, je ne vais pas vous dire au nom de tous ces chevaux, au nom de ces lions, au nom de ces tigres. Je vais juste vous dire, aujourd'hui, nous avons besoin de vous plus que jamais. Je souhaiterais que cette vidéo soit relayée à travers le monde entier. Chacun d'entre vous doit relayer cette vidéo et faire plus que la relayer. La relayer et demander aux gens à qui vous la relayez, vous la partagez, de la partager à nouveau. J'ai cru comprendre qu'il fallait faire 10 millions de vues sur le port du masque et les gestes barrières pour être entendu. Cette vidéo ne fera peut-être pas 10 millions de vues, mais qu'elle en fasse quelques millions. Et puis, rendez-vous sur notre site. Ce que l'on a besoin, c'est de votre aide. Alors, rendez-vous sur notre site, latanière-refuge.fr. À très vite, j'espère, et à très vite vous accueillir. On compte sur vous. Oui, on compte sur vous très fort. On est 67 millions en France. Voilà. Si certains d'entre vous sont sensibles à notre cause... Aidez-nous. C'est maintenant. Merci.